autre innovation dans la mise en œuvre du programme ATMA 2 est l'intégration des NTIC au service de l'agriculture. Nous avons une première stratégie qui est le développement d'une plateforme qu'on appelle SIM, Système d'information du marché. Cette plateforme-là donne un avantage à nos acteurs en matière de compétition au niveau du marché, où ils ont la possibilité d'être informés au préalable, d'accord, sur les prix des différents marchés des produits. Nous avons une plateforme du nom de SIF, Système d'information et de formation technique. Cette plateforme permet à nos acteurs de s'instruire sur les bonnes pratiques agricoles. Elle permet aussi à nos acteurs de s'informer en matière d'innovation agricole. Et associé à cette plateforme, nous avons mis en place un centre d'appel un peu moderne qui sera accessible 24 heures sur 24, où nos acteurs peuvent appeler afin de pouvoir recevoir des conseils avec des experts, bien entendu, qui seront mis à leur disposition. Associé à cela, nous avons développé une base de données de nos acteurs. Cette base de données comprend actuellement 36 000 acteurs. Approche communale pour le marché agricole, le marché vecteur du développement local.